et Morphle, regardez mes nouvelles baskets à roulettes. Waouh. Vous voulez venir jouer avec moi dans le parc? Je vais essayer de nouvelles figures. On peut y aller aussi, papa? Bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas vos rollers. À tout à l'heure. Mais je n'ai pas de patin à roulettes. Tu peux emprunter ma vieille paire. Elle est là-haut quelque part. Oui. Tiens, les rollers rapides comme l'éclair de Louis. Ah, j'adorerais en faire. Oh, merci papa, je les adore. C'est pas grave, tu vas grandir. Mais là, ils sont trop grands. J'ai une idée! Je peux utiliser l'animal magique un crâne pour me faire grandir assez pour rentrer dans les rollers de papa. Un crâne, s'il te plaît, fais-moi grandir! Ça marche! Merci! De papa. Oh, hey, on peut voir le parc d'ici. C'est Enzo. Être grande, c'est trop amusant. Oncle Yor, regarde, c'est Mila et Morphle. Et ce sont des géants. Mais je parie que c'est cet animal magique qui a fait grandir Mila. Je veux cet animal magique. Je le veux. Comme ça, je pourrais manger une très très grosse crème glacée. Désolée, être grande n'est pas si amusant si je ne peux pas jouer avec mes amis. Mila et Morphle, j'ai besoin d'aide. Les bandits sèment le chaos en transformant tout en grand dans ma ville. Ah, oh, mais vous aussi? Ils ont dû prendre un crâne. Morphle, transforme-toi en voiture de course. Ouais! C'est parti! Oui! Ah! Oh! Pour attraper les bandits. Hé hey, oh. Oncle Yorn, à l'aide. Ouais. Pfiouh, ce n'est pas toujours drôle d'être grande. Cela vient d'arriver de la part du policier Freeze pour te remercier d'avoir attrapé les bandits. Waouh! Des baskets à roulettes et pile à ma taille. Crème glacée. N'oublie pas, si tu manges trop de glace, tu perdras tes pouvoirs de transformation pour un moment. J'ai oublié mon sac à main. Glace. Oh. C'est oncle John qui paye. Hein? Moi, je n'ai pas d'argent, Winston. Je pensais que tu en avais. Si tu n'as pas d'argent, tu vas devoir voler le camion de glace. Je veux des glaces. Viens vite. Ta camionnette a une fuite. Il y a de la sauce au chocolat partout. Ma pauvre camionnette. Mila. Mila.
bête, voleur. Marfel, transforme-toi en... Oh, oh. Ah. Mila. Oh. Quelqu'un a soif? J'ai apporté plein de jus de pommes frais de la ferme. Papa, les bandits ont volé le camion de glace et Morphel est à l'intérieur. Oh non! Vite, allons le chercher. Je pense qu'on a besoin d'un animal magique pour nous aider. Grave! Ouais! Il peut soulever des choses. Tiens bon, Morphle, on arrive. Grave, soulève-nous au-dessus de la rivière. Plus de crème glacée et tout le monde a tellement soif. Oh, j'ai une idée. Papa, on peut partager ton jus de pomme avec eux. Bien sûr, bonne idée. Morphel, transforme-toi en machine à granité. C'est vraiment délicieuse. Je crois que je vais l'ajouter à mon menu. Ouais. J'ai hâte de voir la fameuse fleur papillon, papa. Oh oui, cette magnifique fleur papillon millefeuille aux senteurs de banane provient de l'île sauvage. Et aujourd'hui, c'est le jour de la floraison. Oui. Ah, je crois qu'elle n'est plus très loin. Et je veux absolument faire une belle photo. S'il te plaît, tu peux me passer mon nouvel appareil photo, Mila? Heureusement, Animi n'a pas donné vie à toutes nos affaires avec son pouvoir magique. Bonjour! On dirait que nous avons un passager clandestin. Attends, mon appareil photo s'enfuit. Action Man parti, jouet préféré Morphel. Et notre bouteille d'eau a disparu aussi. Allons les récupérer. Regardez, l'appareil photo de papa a pris une photo d'Action Man. Action Man. Mais où est-il? Il y a des saules pleureurs, une rivière et... Il est dans les marécages. Le voilà, c'est Action Man. Morphel, transforme-toi en bateau pour l'attraper avant que les crocodiles ne le mordent. Ils ne te mordront pas si tu es toi aussi un crocodile.
deuxième membre devienne un jouet. Il est en sécurité maintenant. Morphle a soif. T'inquiète pas, Morphle. Nous retrouverons bientôt notre bouteille d'eau. Oh, regardez, une autre photo. Un singe a pris notre bouteille d'eau. Il est assis dans un cocotier. Et je sais qu'il pousse dans un sol sablonneux. Un sol sablonneux? Oh, ils doivent être à la plage. Je sens l'odeur des bananes. Je pense que la fleur papillon au parfum de banane est tout prêt. C'est la banane de ce singe que tu peux sentir, papa. Et il a notre bouteille d'eau. Morphle, transforme-toi en singe. Pas possible. Morphle a trop soif pour se transformer. Je vais récupérer la bouteille. Aïe, 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 j'arrive pas à l'atteindre. Mila, pousse-moi. Animi, transforme à nouveau notre bouteille d'eau. Regardez, une autre photo. C'est la fleur papillon. Et c'est au bord de la mer. Ça pourrait être là où se trouve ton appareil photo, papa. Quelqu'un d'autre sent-il aussi la banane? Animi, transforme l'appareil photo de papa. Oh, Animi. Waouh, c'est toi et tante Augustine? Oui, Mila. Nous allons faire du patinage là-bas tous les hivers. Morphle aime patinage. Ça a l'air tellement amusant. Construisons une patinoire dans le jardin pour qu'on puisse aussi aller patiner. Morphle, pas patinage? Tu ne peux pas patiner sur des glaçons, Morphle. Nous devons congeler beaucoup d'eau pour faire une patinoire. Patinoire? Nous avons aussi besoin d'un animal magique qui a le pouvoir de geler l'eau. J'en connais justement un. Atmo! Transforme-toi en éléphant pour que nous allions chercher de l'eau et qu'Atmo la congèle. Génial! Remplissons la piscine avec toute l'eau. Hé! Ce costume ne peut être nettoyé qu'à sec. Désolée, Monsieur Vanderbouz. Oh oh! Morphle, aspire toute l'eau du jardin des Vanderbouz. Morphle veut patinoire aussi. Oh, oh non! Morphle, transforme-toi en robot pour sauver Atmo. Utilisez le pouvoir magique d'Atmo pour tout geler. Morphle, transforme-toi en dragon pour faire fondre la glace en crachant du feu. Impossible de geler un policier qui n'a pas froid aux yeux. Pas dans ma ville. Lila et Morphle, mais enfin. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolée, Tati. On est en train de faire une patinoire dans le jardin, mais Morphle a enlevé Atmo. Oh! Te voilà! Morphle, pourquoi as-tu tout gelé? Atmo est fatigué. Pardon, Atmo. Morphle veut patinoire aussi. Si tu
qui promet d'être gentil. Tu peux nous aider à construire la patinoire? Orphel patine aussi? Oui. Oh oui. Allons-y. Morphel, transforme-toi en hélicoptère. Tu allais faire une patinoire? J'ai pensé que tu aurais besoin de ça. Tiens, c'était les miens. Mais ils sont trop petits pour moi maintenant. Waouh! Merci, tante Augustine. Je t'ai vu les porter sur une photo. Ils me vont parfaitement. Hé! Hey, où est passé Troy? Juste Orphel. Morphel, transforme-toi en dragon pour effrayer Orphel. Waouh! Oh, oh, Orphel, veux-je jouer? Tu peux jouer avec nous. Fichons-lui la trouille. C'était tellement drôle. Est-ce que tu as vu le... Morphel, transforme-toi en robot. Je suis désolée de vous avoir joué ce mauvais tour. Ok. Ramenons ce poisson puant de Troy à la maison. C'est la meilleure soirée pyjama d'Halloween de tous les temps. C'est surtout la soirée pyjama d'Halloween la plus puante de tous les temps. Et voici Barry. Il a reçu une invitation de son neveu, Frank. Frank vit dans la jungle et il aimerait lui rendre visite. Mais je ne peux pas laisser le zoo sans surveillance. Est-ce que vous pourriez emmener Barry dans la jungle, Emila et Morphel? Bien sûr, gardien de zoo, Kenneth. Morphel, transforme-toi en hélicoptère. N'approche pas trop, Morphel. Le volcan est très chaud. Ok, Barry. Où vit ton neveu Frank? Thank you.
Cela ressemble à un travail pour les détectives Mila et détective Morphle. Est-ce que Franck aime les bananes, Barry? Alors il a dû les laisser tomber en se promenant. Si on suit les bananes, on trouvera Franck. Transforme-toi en lion, Morphle. Ouf! Merci, Morphle. Oui, revenons à notre recherche. Oh non! Regarde! C'est l'éléphant qui laisse tomber toutes ses bananes, pas Franck! Tu veux qu'on te suive? Chanson de glace pour Morphle? Bien sûr! Crème glacée! Tiens, c'est pour toi! Maintenant, on doit absolument trouver l'animal magique qui t'a endormi! On peut vous emprunter votre magnétophone pour un moment, monsieur le marchand de glace? Bah, évidemment! Je parie que c'est l'animal magique qui a fait ça. Ça a l'air dangereux. Nous devons arrêter cette foreuse, Morphle. Es-tu prêt, Maximilien? Non, Max! Qu'est-ce que tu fais? À l'aide! Quelqu'un! À l'aide! Oh non! Morphle, transforme-toi aussi en éléphant et mets-lui de l'eau sur le visage! Thank you.
Oui, Mila et Morphel. Continuons à chercher. Morphel, transforme-toi en avion. Là-bas, Morphel. Je pense qu'il essaye de trouver un endroit pour dormir. Oh non, Morphel! Réveille-toi! Ah, je sais ce qu'il faut faire. Va venir à nous. Tout ce qu'il veut, c'est un endroit pour dormir. Là-bas, Morphel. Voilà qui devrait te transformer en adulte. Mais es-tu bien certaine de vouloir faire ça, Mila? Absolument! Bien, alors, c'est parti! Vous vous ressemblez tellement. En tout cas, vous êtes assez grande pour monter. Amusez-vous bien. Mais vous ne pouvez pas entrer en classe. Je suis la tante de Mila. Ah, j'ai entendu parler de vous. Ravie de vous rencontrer, mais Mila n'est pas là. Je dois retourner en classe maintenant. Au revoir. Ah. Être adulte commence à devenir très ennuyeux. Il s'agit d'une cour de récréation pour enfants, mademoiselle. Je vais devoir vous donner une amende. Oh, je suis désolée, mais je ne peux pas payer ça. Je n'ai pas d'argent. Alors, je vous suggère de trouver un travail. J'en ai assez. Je ne veux plus être une grande personne. Tu es sûre que tu veux redevenir une petite fille? Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Thank you.
Mila, Mila, tu as entendu? Entendu quoi? Ils construisent une autre montagne russe. Cette fois, elle va être encore plus grande. C'est bien. Tu ne veux pas redevenir grande pour la monter? Pas question. Être adulte n'était pas aussi amusant que je le pensais. Je vais profiter d'être une petite fille aussi longtemps que possible. Tag, c'est toi le loup. Reviens ici. Salut Morphle. Oh, comment te sens-tu? Morphle se sent ok. Pauvre Morphle, on dirait que tu es toujours malade. Tu as besoin de beaucoup de repos pour aller mieux. Ne t'inquiète pas Morphle, papa et moi allons prendre soin de toi. Salut Mila. Salut Agnès. Est-ce que tu peux venir jouer avec Morphle? J'aimerais bien, mais Morphle est malade et je lui ai dit que j'allais prendre soin de lui. Morphle jouer aussi. Tchou! Non Morphle, tu dois te reposer pour aller mieux. Mais... Morphle, tu peux aller jouer Mila. Je vais m'occuper de Morphle. Merci papa. Repose-toi bien, Morphle. Bye, Morphle. Bien, alors, Morphle, que dirais-tu si je te lisais une petite histoire? Morphle veut jouer, Mila. Morphle, revenir bientôt. Salut Morphle, tu vas bien? Morphle, cherche. Achou! Oh, j'ai peur des souris. Morphle, désolé. Achou! Va-t'en, méchant tigre. Pousse! Roseau porte-bonheur m'a encore sauvé. Oh, Mila, ici? Ne t'inquiète pas, Morphle, tu vas y arriver. Mais tu ne seras jamais aussi doué que ce petit-là. Voici Boba, notre nouvel animal de compagnie magique.
Boba adore faire des bulles. Et il a tendance à faire des bulles de joie. Waouh ! Tu vois ? Ça a l'air amusant. Oh, oh. Oui ! Boba, c'est assez haut, là. Je ne peux pas sortir. Morphel, transforme-toi en quelque chose de gros. Oui, camion Ben. Maintenant, Morphel sauve Mila. Mila? Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Non! À l'aide! À l'aide! Morphel à la rescousse! Qui tombe du ciel. Ah, te voilà, Boba. Écoute, tu ne peux pas faire des bulles magiques n'importe où comme ça. Ça cause trop de problèmes. Non, pas dans ma ville. Morphel, peux-tu faire éclater ma bulle? Ouf! Merci, Morphel. Tu as vu Mila? Je pense qu'elle est allée par là. C'est ce qui s'appelle être dans sa bulle. Eh bien, Boba, la prochaine fois que tu fais des bulles, s'il te plaît, évite de mettre n'importe quoi dedans. Hein? Et c'est là que j'ai trouvé la plus belle fleur de mon bouquet. Dommage que je ne les ai pas mises dans l'eau. Merveilleux. Enfin, je veux dire, l'histoire. Dommage pour les fleurs. La prochaine à nous raconter une histoire est Mila. Yeah. Mon week-end a commencé de manière très paisible. Je jouais avec Morphel quand soudain... Mila, c'est terrible. Des astéroïdes vont frapper la ville. Et nous avons besoin de vous pour les arrêter. Ça sent le roussi. Transforme-toi en robot géant. Morphel, utilise le super méga punch. Morphel, tu es mon héros et le mien.
C'est génial. Morphle est tellement cool. Ça a l'air d'un week-end vraiment passionnant, Mila. Qui est le suivant? Oh, je ne fais que commencer. Oh, Mila, les bandits ont un énorme dragon. Il n'y a aucun moyen de les arrêter maintenant. Morphle, transforme-toi à nouveau en robot. Allons les réchauffer un peu. Utilise les super ultra boucliers thermiques, Morphle. Ça ne marche pas. Non, stupide dragon. Mon héros. C'est vraiment de mieux en mieux. Tu es vraiment sûre que ça s'est passé comme ça, Mila? Tu parles et je n'ai pas encore fini. Et ce bouclier thermique, incroyable! Ce dragon a probablement dû se cacher quelque part dans une grotte. Hé, hey, c'est ma voiture! Morphle? Super méga collision de voiture. Je suis désolée, Mila, mais des lapins de l'espace violet, vraiment? Pourtant, c'est bien ce que j'ai vu. La récréation. Ah, oh, les enfants de nos jours. Quelle imagination débordante. Oh mon Dieu! Morphle, faisons une farce à papa. Oh, oui! Transformez-toi en moi. Super! Maintenant, mets ces vêtements. Tu es exactement comme moi. Ouais. Ok, faisons une blague à papa. Oh, oh. C'est toi, Mila? Je ne t'ai pas vu descendre les escaliers. C'est parce que je suis toujours en haut. Ah, mais... Ah... Alors, tu dois être Morphle. Ouais. Salut, Mila. Est-ce que toi et Morphle, vous voulez jouer? Mila, Morphle n'est pas là. Oh. Mais, Mila joue. Super. Allons-y. Hugo n'a pas vu que c'était Morphle. Salut, Mila. À quel jeu jouons-nous, Mila? Tu es toujours si douée pour réfléchir à des jeux amusants. Ouais. Au loup! Ok, Mila, c'est toi le loup. Quoi? Oh! Waouh! Maintenant, il ne te reste plus qu'à toucher Sarah. Mais où est-elle? Je suis dans l'arbre. Je ne pense pas pouvoir descendre. Oh oh! Mila, aide! Attends une seconde! Tu n'es pas Mila, tu es Morphle! Oh! Merci, Morphle! Eh bien... On dirait que Morphle n'est pas avec toi. Oh oh. Mais Stan, c'est pas Morph. Et ça, Morphle, on peut te taquiner autant qu'on veut. Oh. Tu es si petit. Laisse-moi partir. Tu ne peux rien faire.
Mais d'où vient cette balle? Aïe, oh, qu'est-ce qui se passe? Filons d'ici, Stan. Oui. Oh. Oh. C'est encore Mila. Laissez-nous tranquilles. Yeah. Tu leur as fait une bonne blague, Morphle. Je m'ennuie tellement sans Morphle. Je vais les chercher. C'est Mila. Non. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. J'ai un problème pour lequel j'espérais que vous pourriez m'aider. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voyez-vous, cette partie de la ville a beaucoup d'arbres et de plantes. Mais le reste de la ville pourrait bien en avoir besoin. Peut-être qu'un de vos animaux magiques pourrait aider à transporter des arbres de la forêt vers la ville. Avec l'aide d'Animi, les arbres pourraient marcher jusqu'à la ville eux-mêmes. Super! Maintenant, c'est à toi, Animi. Tu vois tous ces arbres? Ils doivent aller à la ville. Waouh! Peux-tu trouver un bel endroit dans la ville? Elle a besoin de plus d'arbres. Animi a besoin d'un peu de repos. Mais quand il sera reposé, il donnera vie à beaucoup, beaucoup plus d'arbres. Pourquoi n'allez-vous pas voir si tout se passe bien avec les arbres dans la ville? Ouais! Ah, pas dans ma ville! Vous devez bouger, monsieur arbre! Oh! Pas par là! Maintenant, je ne peux plus rentrer à l'intérieur! Quoi? Ah non! Maintenant, je peux plus continuer à construire! Pas encore! Bonjour, monsieur le maire! Ah, vous êtes là! Cette histoire d'arbre ne marche pas du tout! Oh oh! Comment pouvons-nous aider? Pourriez-vous renvoyer tous ces arbres, s'il vous plaît? Bien sûr! Transforme-toi en hélicoptère! Et dis à ton papa d'arrêter d'amener tous les arbres! Qu'est-ce qui ne va pas, Mila? Les arbres causent toutes sortes de problèmes dans la ville. Oups, on va arrêter. Pas dans ma ville. Merci, Mila et Morphle. Merci, Morphle. Maintenant, je peux enfin retourner à l'intérieur. Quoi?
Où sont passés les arbres? Je pense que cette fois, c'était le dernier. Ouais! Nous avons ramené tous les arbres, monsieur le maire. Ah! Oh-oh! On va le ramener! Pas besoin! Celui-là peut rester. Ouf! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Mon bus est tombé en panne. Comment vais-je emmener tout le monde à son travail aujourd'hui? Mais je dois être au poste de police. Ils ne peuvent pas se passer de moi. Oh non! Je dois aller au zoo. Sinon, qui va nourrir les animaux? Et moi, je dois aller à mon camion de glace. Sans moi, il n'y a plus de crème glacée. Morphel, transforme-toi en bus pour qu'on puisse les aider. Merci, Mila et Morphel. Merci et au revoir. Mais de rien, officier de police Freeze. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ramener le marchand de glace à son camion de glace. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, maintenant je ne pourrai plus jamais atteindre mon camion de glace. Morphel, essaie de sortir de ce rayon. Bellissimo! Tu nous as sauvés, Morphel! Yeah! On l'a fait, Morphel! Tout le monde est arrivé au travail à l'heure! Oh oh! On est en retard pour l'école! Mila, Morphel, vous devez apporter cet œuf à Oncle Mortimer avant qu'il n'éclose. Il y a son nouvel animal magique à l'intérieur. Vite, Morphel, change-toi en voiture. Bonne chance. Un embouteillage. Oh! Évite les voitures, Morphel. Maintenant, on évite ce feu rouge. Oh non! L'œuf commence à éclore. Il faut qu'on aille plus vite. Morphel, change-toi en voiture de course. Oh non! Les roues sont coincées!
magique. Ah mais cet animal magique est super, super rapide. Ha 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 ha!